Ça Mmh. va. Alors pour les faits, nom de la mission, opération Ghost Hotel. Donc récemment, un village vacances que l'on pensait abandonné a retrouvé un propriétaire. Ce propriétaire est le plus gros trafiquant de l'île. Nous l'avons mis sur surveillance depuis plusieurs semaines. Nous savons qu'il réside dans l'hôtel principal. Qui cache plein de stocks d'armes dans la villa aux abords de l'hôtel. Les va-et-vient de camions n'en finissent plus, ce cartel grandit de jour en jour. C'en est trop pour la police locale, qui sont complètement débordés. Ils ont besoin de nous. Donc ce soir, on aura deux objectifs, qui sont relativement simples. Donc, on peut le faire dans l'ordre, dans le désordre. L'importance, dans le premier objectif, donc il faut trouver et détruire les caches d'armes. Et dans le second objectif, il faudra éliminer le baron et son cartel. Donc toute menace. Pour l'infiltration, faudra vous infiltrer par voie maritime, car leur plage n'est pas surveillée. Pour détruire les caches d'armes, vous aurez besoin de satchel, pardon, de sacoche. Ah, avec les Lydia. sacoches? Sacoche ou satchel, c'est pareil, c'est les grosses. Hein. D'accord. Pour les pilotes, donc il n'y aura pas Pense que les petites suffisent. Oui, les petites suffisent. Survol de F-15. Ok, bien. Donc pour les pilotes, ils survoleront les environs du village et de sa baie, pour qu'ils ne soient pas alimentés en armes et en hommes. Par contre, à plus de 500 mètres du village pour pas attirer. Les ennemis potentiels, non? Oui, de toute façon, ils seront relativement hauts. De toute façon, eux, ils sont là pour surveiller la baie, donc qu'ils se fassent pas alimenter en hommes et en armes par la voie maritime, et aussi donc les grands axes routiers qui amènent donc dans ce village. Donc, ils évolueront en Comanche, donc ce sera Delta pour eux. Il y aura un pilote et un gunner. Donc on va sur place avec un Ghost Walk. Les leaders vous débrieferez du briefing pour savoir où vous voulez aller. Voilà, je pense que ce sera tout. Pas de questions? Non, négatif. Négatif. Ok, pour les caches d'armes, on ne sait pas trop bien combien il y en a. Nous sommes en train de Et toi? regarder avec le satellite pour voir. Donc dès que vous en détruisez, vous confirmez au commandement que vous avez détruit une cache d'armes. Voilà. S'il n'y a pas de questions, les leaders vous restez ici Il peut y avoir et les autres plusieurs vous y caches allez. d'armes, il n'y en a qu'une. Oui. Il y a plusieurs caches d'armes. Vu le va-et-vient des camions qu'il y a eu, il y a eu, à mon avis, il y a pas mal de matos. Ok. Voilà. Et comme ils ont Très été bien. sous surveillance, on sait combien d'hommes ils disposent à peu près? Non, pas du tout. C'est une mini-surveillance. Ah ouais, c'est on est en train de se mettre en place. On n'est pas la NSA, quoi. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez ramper. Rampe. Ramper? Ça va durer. Oh là là. Oh là là. Bon alors. Donc comme on a dit Donc toi, vous arrivez à la pointe, au niveau de la pointe là, c'est ça Par en... contre la baie de Pesca là, ça serait bien qu'on soit plutôt déposé plus près là, non? Oh quoi que la plage est bien ouais. Oh, au même endroit. Copper, tu me déposes au même endroit? Même prix. Par contre, quand tu me déposes, alors soit t'éteins les rotors, ou soit vous redécollez après les règles, parce que nous on s'entend plus après les règles. Ah mais moi j'attendais d'avoir le feu vert, je savais pas si vous aviez pris les sacs ou pas. Ah Ouais. d'accord. Et c'est vrai qu'on a oublié de transmettre. Ouais, mais même quand t'arrives, tu peux éteindre déjà.
Déjà, c'est déjà ça que nous nous soulevons. Et en fait, tu pars dès qu'on prend les bateaux, à ce moment-là, tu peux partir. Le problème, c'est que si je me fais tirer dessus, je peux pas décoller, quoi. C'est Si ça. le moteur éteint. Mais là, on sait que c'est bon. Ah, on sait jamais. Voilà. Sinon, pour ce qui est, donc vous allez vous infiltrer à partir de en 218-208, c'est ça? 218. Non, 207, 216. Ah. 216, 208, c'est ça? 216, 208. Ouais, 216, 209. Enfin, on va 216, venir plutôt 209, sur 214, 209, tu vois. Plus vers là-bas, pour pas au cas où. d'accord, vous allez arriver de 214, 209, ok. Voilà, et on va sur la pointe là où il y a le 27 là. Ouais, ok, je vois. Voilà, nous on va pas faire dans ce sens-là. Et moi, ce que je vous propose à vous, c'est plutôt que tu suives le mur là, le long Ouais, du mur. c'est ce que je pensais là. Et Comme ça, alors, t'es à couvert, tu peux regarder entre parce qu'il y a des ouais. ouvertures et tu peux atteindre après jusqu'à ton objectif. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que du coup, par la colline, on est trop visible et bon, par contre, on pourra pas trop vous donner d'infos du coup sur le Non, nombre mais de personnes c'est qu'il y pas a à grave, parce l'intérieur et qu'on tout. n'a pas eu vraiment d'infos. Ah si, on a eu des infos, donc c'était pas trop mal ça. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, on prend pas les silencieux, hein, ça sert à rien. Non, les silencieux ne servent à rien. Donc, je suis avec. Ok, bon, je crois qu'on a tout. Bah ouais, je crois que c'est bon. Pas besoin de largage de caisse. Hein. Ah si, les. Et merde, t'es con, toi. Pour les explosifs, on a combien? Normalement, on en a deux. On en a que deux? Est-ce Ouais. que tu voudras que Moi, je j'en te prends file un les de deux plus. miens? Moi, je pourrais te filer les deux miens aussi, au pire. Non, 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 tu les gardes, on sait jamais après de ton côté et tout ça. Si après, une fois que vous êtes l'objectif vous est terminé, tu peux très bien Ouais. revenir de l'autre côté Ok. et voir ce Tout que à tu peux fait. voir. Et moi, au cas où, j'en prends un de plus, c'est tout. Ok, ça marche. Bon, let's go. Je parle pas anglais, moi. Allons-y, espèce de gros bâtard. Là, ça fait des équipes de combien? Ça fait des équipes de 3 3 et et 3. 2? 3 et 3 et 3. 3? Ah, ça fait pas grand. Ouais. On doit être plus ce soir, mais bon. Bon, allez, on va aller Tu parles de gens? Ah oui. Attends, je vais mettre les C'est bouchons. bon, les bouchons. Hop. Bon, la petite radio, c'est bon. Putain. Petite radio, c'est bon aussi. Est-ce qu'avec la petite radio, on peut se mettre sur le 65.4 aussi? Je crois. Ok. Barrez où les autres? Ils sont bas? Je sais pas, je vois personne, j'ai un campement de courir. Hein. Si, si, ils sont à l'écho. Ah ouais. Tous les hélicos sont prêts. D'ailleurs, je vais prendre le Zodiac maintenant, moi. Non, je verrai après. Non. Non, non, trop pas mal.
Putain, le putter plug. Y a que toi là? Eh ouais. Les autres ils sont à l'autre hélico. Quel autre hélico? Et l'autre là-bas? Il y a deux hélicos apparemment. Ah merde, oui, mais c'est l'autre. Oui, on va au Gossok, ouais. Y'a le gars, on va sur le Gossok en fait. Il y en avait deux. Et du coup, il a préparé le merlin, la Campbell. Ah, mais il coûte rien. Hein. On prend un ou deux, Hélico? On en prend un seul. Au même endroit. Mais bouchon, t'es là? Ange aussi? Ouais. Les canal 2. Zou, canal 2. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, clair. En fait, il a mis tout ce temps. Pour rien, quoi. Ouais, c'est bien beau de klaxonner, ça sert à rien. Vous pouvez passer en voie forte, hein, pour les hélicos. Ouais, ça y est. Pourquoi je sens mal? Alors qu'il suffit. Alors, on avait dit le boss pour le faire avec le marin. Bon ben médic à l'arrière. Médic à l'arrière et les radios. Gunner. Ouais, mais si on monte en gunner, on peut plus descendre en fast rope. Mais on fait pas de fast rope, on nous dépose. Oh, mais si on nous dépose, c'est bon. En quelle place? Radio en gunner? Radio en gunner, ouais. Ouais, à défaut de pas avoir de soutien, de fusillés, surtout du soutien. Par contre, sauf si on fait un fast rope, il y aura pas de gunner. Pass drop, c'est avec la corde, c'est ça? Ouais. Ouais. Ferme les portes, c'est bon, il y a tout le monde. On est à bord. Ok, pour bravo. On ouvre le feu sur hostile, quoi. Ferme les portes. Where? Normalement, on n'en voit pas des hostiles. Hein. On va. Fermé. Et ça marche. Zulu? Zulu, en place. Ok, bah si tout le monde est en place, on va y aller. Leader, qui c'est qui s'occupe des Zodiac? Bah, vu qu'on est que 3 là. Non, les radios. Par contre, tu sais passer un zodiaque?
Raccoon, tu déploieras le Zodiac. Raccoon, il est où? On peut se mettre en normal là. Ouais, je crois que c'est fait. On les garde avec moi. C'est un normal. Je pourrais faire de tout. A ta gauche, Torkoum. Ok, alors nous on est ceux qui vont s'infiltrer pour rechercher les caches d'armes. D'accord. D'accord. Donc on va aller avec les Zodiac, donc conducteur, le radio. Ah oui, c'est vrai. Et on va aller jusqu'en 214-209. Ok. Ok. Équipe Zulu passera vers 218-208 et ils vont longer le mur qu'il y a sur la droite pour s'occuper de l'objectif 2. Nous on va s'occuper de l'objectif 1, on va commencer par venir sur le point 27 sur la pointe là, là où il y a les bâtiments en pointe. D'accord, et puis on remonte vers le nord à partir de là. Ben de 214-209 non, on va direct à l'est. Ah, non, mais après, une fois qu'on... ah oui, après on remonte sur le nord-est. Ouais. Ouais, il faut qu'on fouille toutes les baraques. Ça marche. T'es ravi? Hein? T'es ravi une fois arrivé? Pardon, attends, pardon. On tire à vue une fois arrivé? On tirera à vue à 300 mètres, moins... pas plus de 300 mètres. D'accord, ouais, mais ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on est dans le village, on tire à vue quoi. Ouais. On donne les infos aussi. Hein. Ok. Par contre, ne pas oublier de dire quand on est blessé, si on prend une touche ou quoi. Parce voilà, que après, on a, une fois qu'on est par terre, on peut plus parler. Donc, au moins entendre ah, je suis touché ou tout ça, et qu'on sache déjà que voilà. Ouais. Pour que le Gab puisse. Alors par contre, le Gab, si jamais on est sous feu ou quoi et que tu veux essayer d'intervenir sur quelqu'un. Moi ce que je te conseille c'est d'envoyer des fumigènes déjà. Le bleu, non, le bleu. Alors le bleu c'est pour nous, pour te dire où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est truc, pour toi te repérer. Mais le fumigène blanc c'est pour toi te cacher. Donc le fumigène c'est à n'importe quel moment pour se faire un écran quoi. Un écran pour pas se faire voir. Ok. Ça marche. Une fois arrivé sur l'île, Torque. Enfin, une fois arrivé sur l'île, n'importe quoi, une fois arrivé de l'autre côté, tu feras un essai radio avant qu'on se mette en mouvement. Un essai radio longue ou pour... Ouais, un essai radio longue portée. Okay. Porte, on a Zulu et Delta. On a déjà fait, je viens d'en faire un là sur la plage, j'étais avec Zulu. Ah, tu l'as fait, c'est bon?
Ah, ici ça marche, c'est bon. Ok, ça fonctionne. Bon, bah alors pas besoin. Tout le monde est réglé dans la bonne fréquence. Ok. Bon, mais c'est bon. Ouais. Montez, truc, je vous rejoins. C'est bon pour nous, hein. Qu'est-ce qui se passe? On part en premier ou on attend Non, on les attend, on part en même temps. Ah, on est allongé sur le robot. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je vois tes fesses. Je peux voir que vos fesses. Et je vois même pas où c'est que je vais aller. Ça, c'est affreux comme truc. Ah ouais, non, mais c'est affreux, vous prenez toute la place sur le bateau. Est-ce que tu peux mettre ton GPS par contre? Ah, je vais mettre le GPS, je me l'arrête juste bien. C'est bon. Ouais, ça marche? Ah, ouais, moi, y'a pas de soucis. Parce que nous on peut pas. Pilote. Attends. Ah, vas-y. Je pense pas trop. Ici. Allez hop. Avance doucement. Alors je vais laisser jouer ça plus large. T'as pas le GPS t'es qui là? T'as le GPS toi? Ouais. Ah oui, pardon, oui je l'ai. Moi il faut que j'appuie deux fois T, c'est pour ça. Sur la gauche, hein. Toi. Ah. Par contre, je sais pas si on doit prendre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Soit on passe devant et puis ils nous suivent. Ouais. C'est pas moi qui a la radio. Allez-y, bravo, avancez, il y a quelques réglages. Ok, il y a quelqu'un qui a parlé avec son père. J'ai envie d'avancer. Ok. Je veux dire quoi, ça se passe, il reste ici. Attends, laisse là. Allez, c'est bon, on débarque. Injection. Non, sortir. Faut pas éjection, fais sortir. Vas-y. Non, je sors en dernier. Ouais. Mettez-vous à couvert. Je préviens Zulu qu'on est arrivé. Affirmatif. Zulu de Bravo. Ils ont pas encore débarqué, c'est pas mal qu'ils répondent pas. Zulu de Bravo. Pas de réponse. Je les vois pas. Ah mais ils doivent être par là-bas, ils doivent être derrière la pente. Ah mais ils ont avancé après? Ouais, ils ont avancé et là ils devraient pas tarder à accoster. Ok. Bon bah écoute. Hein. Tu l'as fait sur longue portée? Ah ouais, mais je referai un test. Contrôle caps. Hein. Ah ouais, mais je referai un test je pense dans une ou deux minutes quand qu'ils arrivent. Ok, alors quand on va avancer... On fait donc radio devant, moi au milieu et non, on va faire radio devant. Devant. C'est moi qui vais devant. Ah, si vous m'avez répondu.
Oui Zulu, c'est pour vous informer. Et le Gap, tu restes en arrière. Hein. 214-209. Ok. La couverture. Bon, ils ont accosté aussi. Ok, allez, on fait une avancée. Allez, suivez-moi. 214-209. Je passe devant? Non, je vais passer devant. Ouais, tu vas passer devant. Ouais. Je vois Zulu, moi. C'est des guignols en fait, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais c'est bon, c'est ça. Ils vont faire le côté droit en fait. Ils vont longer le mur côté droit. Vous avez vu l'équipe Zulu? Oui, j'ai vu l'équipe Zulu. Ils vont faire. Te mets pas à découvert comme ça, le gars. Ils vont faire le côté droit, côté du mur. Parce que là, ils sont en plein découvert, là. Bon, après, ils se démerdent. Hein. Si, ils se débrouillent. Bon, on progresse vers où? Ah, attends, je regarde. Voyons voir. Là, ce qu'on a du coup atterri, on s'est foutu là. On est là. Ouais, on va prendre cette baraque là, s'il y a une entrée à cette baraque, et on va passer de l'autre côté. L'entrée elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté? Ouais. Quoi qu'il y a une autre baraque à côté, tu vois, là, à droite, là. Faudra faire celle-là avant de monter sur les deux autres, là. Là. Affirmatif. Ça, je sens que ça va être chaud, je sais pas pourquoi. Bon, Gab, ouais. Tu viens ici là, à ce point, et tu me couvres. RAS. RAS. Ok, on va commencer à faire la première. Tu tires à vue. Ouais, tu tires à vue et tu me couvres. On va aller sur la truc là, tu viens contre le mur ici. Ouais, y a pas de porte. Y a pas de porte. Regarde s'il y a pas de fil. Pas du tout, passe devant peut-être. Ah c'est bon, j'ai rien détecté. Vas-y. Entre. Je fais l'autre à côté. RAS. RAS. J'ouvre la porte de fenêtre. RAS. Fenêtre ouverte, je suis sur le balcon. Ouais, mais y'a rien de toute façon. Mais c'est bon, RA ici. Faut qu'on fasse celle qu'on a dépassée là. Là, il faut remonter la pente. À gauche là, ouais, on remonte la pente là, de l'autre côté du mur. Il est où le gars? Là, derrière. Ah. Devant. RAS. RAS. Porte. Ah, j'ai entendu tirer. Ah, c'est plus une explosion.
verte, t'avais eu une explosion. Allez, on continue notre mission. Une porte ici. T'es rentré là-haut là ? Pas rentré, je sais pas ce qu'il y a. T'es prêt ? Je vais. Nice. C'est bon, RS. RS ici. Allez, on fait ça là. Je vais assurer le haut. Ok, cours en haut, je vais voir la baraque. J'ai fait les baraques. RS. RS. Bon, il y a un étage là, non? Zulu ici, bravo, parlez. Il y a un étage. Merci Zulu. Une mine? T'as détecté où? Ouh, t'as détecté une mine. T'as détecté une mine? Position bravo 216, 209. Ah non, c'est moi qui ai détecté une mine. Commence à inspecter les bâtiments. Il est où? J'en approche. Putain, j'ai détecté une mine, mais je sais pas où. Mais on approche. On a perdu une permission d'ouvrir le feu. T'as des soldats en approche ou combien? J'ai pas la distance. Y'a combien de personnes? Une, deux, patrouille, trois personnes. Trois personnes. Ils nous ont vu. Vas-y, feu. De la pente. Ah, il y en a qui vous ont pris aussi pour cible. Affirmatif Zulu. Engagement avec l'ennemi. Ils sont combien là? C'est toi, il vient. J'en ai eu un. Non, j'ai rien du tout, je suis encore conscient, mais j'ai vu que c'est des choses. Ça continue à tirer, hein, je sais pas où c'est là. Replier le bâtiment. Replier où, ouais? Et je te couvre. Vous m'entendez? Ouais. Voir si. Vas-y, reste derrière moi. Bon, chef est là. Ouais. Ah, il va s'approcher, non? Non, vas-y. Je vais surveiller cette entrée là. Tu peux me soigner. Oh. La cible est légèrement blessée. Kit de soins. De soins. Non, j'ai juste été. C'est bon, tango à terre. Non, on te tire pas dessus sur toi, non. Je dis quand c'est bon. Ça tire quelque part là. Tirer dessus par où? Là, en haut. T'es où? Moi, je suis à terre, je peux plus bouger les jambes. Mets-toi à couvert. Si je mets les mains, c'est dommage. Ouais, c'est que je peux que me déplacer en machin sur le côté. Ouais. Mais un fumigène.
font le tour. Voilà, bouge pas, là, bouge pas. Tu mets un fumigène. Oh. De ce côté. Et c'est kit de souhait. Je vais mettre de la morphine aussi. Ah. Est-ce qu'on a dessus l'ignoble? Range-toi. Par contre, ne bouge pas quand il te soigne. Ouais. Ouais, mais mon bonhomme, c'est rosé. La pression sanguine est bonne. Et la cible saigne. C'est en bandage. Tu dis ça a besoin d'un autre fumigène. Ah ouais, c'est bon, il est toujours resté. Monsieur le samedi est bonne, c'est tout ce que ça me dit, c'est bon non? La pression samedi est bonne. Ouais, c'est bon. T'as donné une poche de sang? Non. Donne une poche de sang. Nickel. Voilà. C'est-à-dire, elle est bonne, elle était bonne, mais elle était pas parfaite. Ok. Ouais. Ah, il est là. Putain, tu m'as fait peur. Ouais, il traverse le mur, c'est guignol. Sérieux? Ah, il est passé peut-être par en haut. Ah non, il a traversé, il est sorti de là. J'en ai vu un autre, je crois. Ouais, tu mets toi, il nous tire en fait à travers les murs, s'il faut. Attention, ça retraverse je crois. Et si ça trouve traverser les murs, on n'est pas... Il y en a un qui est mort, là. Il y a deux qui sont morts. Ah ok. J'en ai tué deux, un ici, un en haut. Et là, celui-là, ça fait trois là. Vérifie en haut de la colline, en haut de la pente. Non ? Il y a un ennemi. Où ça ? Oh putain, touché ! Il est blessé. Il y en a un deuxième, il y en avait deux. T'es où Viens, on va derrière. Blessé. Le soin. La morphine. On a pas trop de morphine. D'accord. La cible a un peu mal. Donc la morphine ou pas? Un peu mal. Vas-y, dans un une. Il reste que ça? Non, la cible saigne. Ah, saigne? Un bandage? C'est le premier truc que tu dois faire là. Quand elle saigne, vite un bandage. Je reviens. Quel côté? Je suis derrière vous. Ok. J'ai vu un sniper, mais il a disparu. Je retourne voir. Oh putain, un sniper! Et l'autre là sur la route, tu l'as vu? Oh. C'est bon? Ouais.
Merci, le garde. C'est bon, Torque ? Bon, j'ai abattu une si, j'ai abattu un Tango. Celui qui était sur la route, c'est bon aussi ? Celui qui est sur la route est mort, par contre il y en avait un deuxième avec lui, mais il a disparu. C'est peut-être celui que t'as eu là tout à l'heure ? Non, c'était... ouais, j'en ai tué un qui était à gauche là contre le muret, mais il y en a qui a traversé la route et qui a disparu au moment que je rechargeais. Il y en a un qui est en balade, je sais pas où. Et je me demande en fait s'il est pas parti s'abriter de l'autre côté du muret pour nous prendre à revers. Je vais voir là-haut. Je te couvre. Ok. RS. Je vais voir le côté. C'est ça. RS. Bon, ben on va avancer. Hein. Il y a le bâtiment là, parce qu'on va fouiller. Lequel ? Celui-là là ? Merde. Là, là. Ouais, j'y vais. RS. RS. Il y a un autre étage ici. Là. Ouais, effectivement. Un autre étage ? Ouais, on a fait le bas. Attends. Hop là, il y a une mine là quelque part. Elle est là. Là, 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 derrière toi. Là. Oh la vache ! T'as de la chance. Hein. Ouais, je vois le fil là. Ouais, je le vois aussi, ouais. C'est bon, j'ai désamorcé. C'était tendu, hein. Franchement. La vache! Vas-y, traverse, moi je te couvre. Ok, j'ai des caisses d'armes là. Ah. Qui c'est qui a des charges en sacoche? Moi. Placer charge. Ok, place de charger. Allez, on bouge. Allez, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Quoi ? L'autre porte, ça rejoint là-bas, ouais. L'autre, ouais. Allez, tiens, je vais voir où tu t'arrives. Bah, on a trouvé une caisse d'armes. On fait gaffe parce que. RS pour l'autre. Ouais. Plus bas, ouais. Ouais, on va sur le bâtiment en face. On va sur le bâtiment en face et je fais exploser la truc. On monte à l'étage. Ok, je reste en bas. Attends, je vais me mettre là. Je fais sauter. Tu transmets à Delta et à Zulu que première cache d'armes. Tu m'entends ? Ok. Première cache d'armes détruite. Zulu 2, bravo. Destruction d'une cache d'armes. Bon, on courant. Allez, fais attention là-haut, attends. C'est une mine. Ah, vas-y. On donne. RS. RS. Et en dessous ? Je sais pas. Oh non, pas le médic.
T'es où? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est où? En train de venir? Ouais, t'es où? Putain, je vois pas. Côté de la murette. Il est là. Bah, soigne-toi. Bon, je check. C'est légèrement blessé et un peu mal, ça va. C'est pas. Ouais. Ça aurait pu être, on va dire, bien pire. Vas-y, je couvre l'autre côté. Tu dis médic quand t'es OP. C'est bon. Ok, médic OP. On sert le bas d'ici, de celle-là. KRS. RS. T'as fait celle-là, Thor? Celle d'en bas, je l'ai pas faite. Vas-y. Je rentre par là. RAS. RAS. Ok, bien pris. J'étais en voix forte. Je passe en voix forte, en voix normale. Allez. Attention, ça tire, reviens. T'es touché? Fais gaffe, regarde. Ah ouais. Oh, il se vient de la gauche. Garde les balles contre le mur. Je comprends pas, il est où? Oh, les balles contre le mur? Ah ouais. Ça vient de la gauche. Il tire à travers les murs ou quoi? Putain, fais chier quoi. Merde! Je sais pas, surpris surtout, mais blessé, je crois pas. Ah là, je suis blessé, je suis mort. Bon bah, je vais appeler. On va attendre le médic parce que le médic va arriver. Bah, il est là. Il est là. Delta pour Bravo. Ah non, c'est DSP ça. T'es là, le Gab? Le Gab? Ouais, tu m'entends? Ouais. T'es où? Ah là, devant. Ah, c'est toi alors. Ah, je croyais que c'était DSP. Attends, reste là. Ça, ça bouge pas. Ah, parce que t'as le signe de DSP sur ça. Va t'équiper en ONU. On va repartir. Hein? On est tous les trois, ouais, on est tous les trois HS. Tu vois pourquoi le fumigène? T'as essayé de t'approcher de moi? Ouais. Là c'était de suite fumigène. Comme ça tu peux t'occuper des personnes, les tirer, machin. Non mais là ils nous ont surpris hein, je crois. Autant moi que Torkoum et tout ça. Vas-y remonte et équipe-toi en... Médico. Mets des bouchons.
Pensez à mettre des bouchons. Le leader qui est là, avant le leader. Et ben alors. Bon, les gars. Ouais. Vous emmenez où? Et réinsertion sur en 213-210. Ok. Pavé numérique 5-7. Là où il y a le point 15. Perçu. Chef, on attend plus que vous. Prêt. Ouais, enfin, oui. On se met tous là, on se met en. On fera du phase drop. Non, non, tu t'es atterri parce que phase drop, à chaque fois on est blessé après. Ouais, mais la zone, là où je dois aller, je crois que c'est plein de rochers. Moi, j'atterris pas là-bas. Ah, si c'est plein de rochers, on fera le phase drop alors. Hey Copper, on a en tout. C'est bon? Vous êtes ouais. Bien? Ouais. Les autres, ça a été? Ils sont revenus déjà ou pas? Bah, ils ont toujours en vie, hein. J'ai pas eu de mort, hein. J'ai ramené personne d'autre là. Ok. Nous, c'est juste que c'était surprenant pour ce guignol. Parce que ce qui est pas bon. Ah c'est bon là, vers là là. Et nous dans l'eau là. Mettons, il y a une page. Nous servons pour remonter. Ils sont au troisième étage de l'hôtel. Au dernier étage. C'est comment on fait là? C'est chacun son tour ou comment ça se passe? Ok, moi j'y suis. Bravo, mais venez vers moi, vers les rochers là. À la gauche, sur la gauche. Médic, t'es touché? Le Gab, tu m'entends? On a perdu le Gab. Il va peut-être, je sais pas. Lui tomber à l'eau alors. Ouais, c'est bon, il est là. Ouais, je t'entends, t'es où? Je vois, je vois. Là, reviens, remonte sur la gauche. Sur la gauche, vers les rochers. C'est toi qui as mis le fumigène? Non. Torkoum? Toi qui as mis le fumigène. Ouais bien. Ça tirait mais je sais pas qui quoi.
marcher que jumelles. Rien du tout. Vous êtes tiré dessus ou c'est juste sur l'hélico? Oh, je pense que c'est sur l'hélico. J'ai pris aucune balle. Peut-être le guignol là. Écoute pour voir. Non, j'ai rien. Ah, checkez-vous. OP. 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 Bon alors go, on y va. Ouais, j'ai toujours des gens qui me tiraient dessus, qui les a toujours être en planque. Ça tire là. Ah bon, y'a un truc dans l'eau là. C'est quoi? Oh, on dirait un cadavre. Ah, je crois qu'il est mort. Un ennemi. Oui, Zoulou, ici, bravo. Non, il y avait un ennemi qui me faisait tremper. Il a voulu poursuivre l'hélico à la nage. 215-209, on revient vers la ville pour trouver des caches d'armes. Bien reçu, Zoulou. Qu'est-ce qu'on fait? On longe le mur de gauche, donc c'est qu'on s'est fait choper par l'autre con. Bah oui, on va pas retourner en plein dedans, on va faire par rapport à l'extérieur. À l'intérieur. Et je longe le mur. C'est bon? Ouais, il est mort, mais je regarde s'il n'y en a pas un deuxième. Oui, Zoulou, ici, bravo. Il y en a un autre. Ah, ils ont perdu leur médic.
touché. Ils sont où? Vas-y, reviens, je couvre. Je t'ai tué, mais demande confirmation quand même. Ils ont perdu leur médic. Il est mort ou il est stabilisé? Votre médic est mort ou est stabilisé? Alors leur médic est pas mort, ils ont stabilisé. Coordonnées? Ils sont dans l'hôtel. Donc à côté du point 29, là, en plein objectif 2, troisième étage. Oh la vache! On peut y aller, hein, c'est... si on suit le mur. On suit le mur, ouais, on suit le mur, on y va. Zulu de Bravo, on vient vers vous. On va longer le mur par l'extérieur de la ville jusqu'à arriver à votre position. Côté Essayez gauche. De nettoyer le bâtiment le plus possible pour que notre médic ne soit pas descendu aussi. C'est ça, on longe le mur côté ouest, de tout l'extérieur de la ville jusqu'à arriver jusqu'au point numéro 29 sur votre carte pour entrer dans le bâtiment. Voilà, coordonnées 216-209, on remonte le mur à partir de là. C'est bon, je peux retaper, médic? Parfait, bon, bah on est mis en route. Il y a plus de tango? Négatif. Oui, je ne... Non, il y en a eu deux. Je repasse devant. T'es OP, radio? C'est bon. Allez, repasse devant. Bien reçu, je vous. Bon, au milieu, je vais couvrir les arrières. Passe, je le couvre. C'est le médic que tu fais passer là, c'est gaffe. Je reprends la marche. Voilà, ok. Bon, on a signalé. Hop là. Vas-y, Rio, je prends le relais. Bâtiment principal. Bisous. Bisous, l'eau, ici Bravo, parler. Bien reçu. Là.
Ouais. Donc il nous propose de passer par le flanc est parce que le flanc ouest n'est pas dégagé. Flanc ouest ? Flanc est. Passer par le côté est du bâtiment. Le côté ouest, ils n'ont pas dégagé. Donc derrière alors. Voilà. Il faut traverser, il faut faire tout le tour. Attends, je vois un véhicule là. Il y a deux véhicules, mais il n'y a personne dedans. Attends, on rentre par là. Par où ? Par là. Par là. La porte là ? Non. C'est une porte, hein ? Une porte, ouais. Ouais, ouais, vas-y, ouais. Fais gaffe à notre équipe, ouais. Hein. Ah non, mais là, c'était un temps de jeu. Ils sont 3ème étage. Tout ce que au 1er et 2ème, vous pouvez tirer. Bravo de Zulu. Ah, Zulu de bravo. On a pénétré dans le bâtiment et on monte vers vous. Les entrées. Troisième étage. Le palier. Bon, on a le radio à terre. Attends. Putain, fais chier. Putain, je suis bloqué. C'est derrière moi là. Ah, attends, je vais mettre fumigène. Merde, j'ai pas mis fumigène. Putain, voilà, ça marche pas. Si, ça y est. Bravo de Zulu sur Canal. Réponds-leur, s'il te plaît. Oui, j'écoute. On rencontre des difficultés ? Ouais, on a le radio au sol. On est en train de le traîner. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Vas-y, essaye de le soigner. Je le vois plus. Tu le vois plus ? Si, si, il est là. Où ça ? Là, on va descendre. Ah, ça y est, j'ai réussi alors, non ? Ouais, je sais pas. Ah, checké, error no unit. Merde, putain, il est mort. Affirmatif. Ouais, on est au deuxième. Ouais, reçu. Bravo, écoute. Tu nous vois pas là ? Ah putain, il est mort. Ah ouais, il est mort. On est au troisième là. Ils sont où eux? À quel niveau vous êtes? Troisième. On est au troisième étage. Oui, mais où au troisième? Alors, côté est. Vous avez le patio central? On est dans le couloir à la... Ouais. Merde, j'ai dû le tirer dessus. A mon avis, on est face à face.
Oui. Bon, attendez. On a la... Voilà, c'est nous là. C'est nous. Ok, reçu. Viens, c'est bon, ils sont là-bas. On est en face, hein, derrière le patio, de le couloir S. Mais attends, parce qu'il y a du monde partout là. Ah, mais c'est là. Vas-y, vas-y, le gab. Vas-y, il est au fond. Putain, j'ai perdu ma radio. Tu l'as perdu quand? Là, là en... Ouais, là, dans le bâtiment. On entend en haut, il y avait un mec qui était dans le couloir. C'était pas nettoyé là-bas de l'autre côté. Mais non, c'est ce qu'on vous avait dit en fait. Ouais, on pensait derrière en fait, passer par derrière. Mais pas... ouais. Voyons, la boussole. Ouais, on avait nettoyé qu'une aile du truc. On avait pas pu progresser beaucoup plus, on se faisait allumer, on savait pas d'où d'ailleurs. T'es qui là? Oui. On devrait prendre le même canal. Le même canal courte portée, ok? Oui, vu qu'on est réunis là, on peut se mettre sur canal 1, tout le monde. Affirmatif. Qui là? Va l'aider pour le médic là. Enfin, ouais. Tu peux essayer de joindre mon radio s'il est sur base? Ouais, je fais ça. La cible est gravement blessée. Gravement blessée, kit de soins. Est-ce qu'il saigne d'abord? Vous avez mis un garrot? Ouais, j'avais mis un garrot. Ouais. T'as mis des bandages? Ouais. Alors t'enlèves le garrot. Bravo. La cible est inconsciente aussi. Bravo de Zulu pour contact. Ok, tu mets donc des kits de soins pour les blessés. La cible est légèrement blessée. Oui, radio bord. Ok. Je remets un kit de soins. Ouais. Donc si elle est inconsciente, il faut que tu lui mettes. Ouais, le reste de l'équipe. Tu fais un. On est réunis au troisième étage. Donc là, la cible saigne et elle est inconsciente. Du bâtiment. Une poche. Écoute. Alors si elle saigne, une poche. Et pour inconscient, alors, la morphine c'est quand il a mal et tu dois avoir autre chose de... Et poche de sang, morphine, kit de soins, mesure de réanimation. Dans mesure de réanimation t'as quoi? Je sais pas, je clique dessus. Oui, clique dessus. Adrénaline, défibrillateur. Adrénaline. Mets-lui une adrénaline. Bon, j'ai eu le radio Bravo. Il arrive par hélicoptère. Et normalement, il est plus inconscient. Okay. Attention, il saigne. Remets-lui des bandages. Ouais, Zulu, écoute. Une poche. Remets-lui des bandages. Ok, les spins ne sont plus. Je répète. La cible est inconsciente. C'est... Ouais. L'animation, je regarde. Défibrillateur. Ouais, reçu. Ah voilà. Donc tu prends plein ouest et tu nous rejoins en limite de bâtiment. Ça ne sert à rien. Super. Adrénaline. Ben, je l'ai fait tout à l'heure, peut-être qu'il faut le refaire. Il dort sous l'eau. RCP. Ouais, essaye le RCP. Ok, on est tous sur le canal, c'est... Mais non, il est inconscient, donc il n'y a pas besoin de RCP. Ah, rien. Adrénaline, hein. C'est bon. Oh. On a le radio... Attends. Radio Bravo qui arrive par... Attends, je vais me checker parce que... C'est bon. Entends l'avion? Ouais. En fait, alors je t'explique. Attends, parce que là, les radios, là, ça va être drôle. Ok, je passe en faible, en voie faible. Voilà, je suis en faible. Ouais. Alors il me dépose le garou?
Jones dans notre ouest là, par la fenêtre. Ouais. Enfin, dans notre est plutôt. Ah bon, parce que ouais, c'est le côté. Ouais, il va nous le déposer là, face au moindre. Et il va arriver par notre est. À la colline. Ouais. Défibrillateur, c'est quoi? Ouais. D'accord. J'ai purée. Radio grande. Ouais, j'ai... Je pense que j'ai dû accélérer son truc parce que pour débloquer le couloir qu'il y avait là-bas, j'ai envoyé des grenades. Je pensais envoyer des grenades et après le tirer, mais à mon avis, ça a dû accélérer sa... sa mort. Ouais, il faut vraiment, dès que vous avez une cible à terre, carreau, pour regarder s'il faut stabiliser ou pas. Ah oui, mais là, c'était dans un couloir, on pouvait même pas y aller, quoi. Faut l'atteindre, c'est nous tirer dessus. Ok, ok. Ouais, après, si jamais. Donc, vous stabilisez. Si vous dites. Si il y a marqué. Hein, je porte aussi. Si il y a marqué. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que le point de sécurité n'est pas engagé. Ça veut dire qu'il n'y a pas le damage de la 600 secondes. Ok. Ça veut dire qu'en fait. J'ai juste perdu mon sens et tu m'as mis un garrot. J'ai rien à faire en fait. D'accord. Solo exit. J'avais pas le damage de damage. D'accord, ok. Et du coup, ouais, je... Ah, je crois qu'en fait ça tire. Hein. Ouais, bah, ouais, c'est les trois et tout. Moi je suis à l'arrière donc j'ai pas envie de tirer à la mitraille. J'essaie de te localiser aux jumelles. C'est quelqu'un quoi. Par contre, j'ai pas. Je pense que ça tire à travers les murs. C'est une histoire de bug avec les étages et tout. Que je crois aussi. Ouais, je crois aussi parce que. Ouais, je suis tous sur la. Je crois qu'il y avait une patrouille en bas qui a dû passer et comme j'étais pas très loin de la fenêtre, ils ont dû voir. Et toi sur Canal 1, Esprit. 500 mètres de l'objectif, donc je viens à pied direction plein est. Il teste la radio. Ok, reçu. Reçu. Dans le cas, tu viens à plein est, c'est que tu. Plein est par rapport à nous. Oui, bah, plein est sur la carte. Là, t'es en train de marcher vers l'est. Non, je viens de l'est. Ah, c'est bon, ok, ça marche. On parle de ça. Là, je suis du côté est du bâtiment, je vois les fenêtres latérales. T'as fait les fenêtres à la cour ? Non, je suis encore un peu plus loin. Je vais faire juste qu'il n'y ait pas des tangos aux avant-tours. Ah, ok, tu vas te masquer par les. Ah, je le vois, je le vois. Réceptionner peut-être en bas, si y a du monde. Ouais. Je le vois. Ok, je te vois, on est dans la fenêtre là, en haut. C'est qui là? C'est qui là? On va aller les récupérer en bas, avec un médic. Je suis. Vas-y. Attention,
Ok, je vois. Vas-y, rentre dans le bâtiment, Torque. Au troisième. Alors, Torque. Alors, pourquoi j'ai pas été stabilisé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Hein? Il y a le mec qui nous... Nous, ce guignol là qui est allongé dans le couloir, tranquille comme... Hein? Hein? Non, c'était pas lui, c'était de l'autre côté. Eux, ils étaient ici en fait. Et nous, on était partis de l'autre côté là-bas. Du coup, on finit de nettoyer tout ça ensemble ou vous avez. Vous en étiez où de votre blague? On a pété une caisse. Ok, d'accord. C'est comme tu le sens, Tequila, soit vous repartez vers les baraques, soit on peut finir cette baraque tous ensemble et bouger vers les autres baraques après. De toute façon, là, il reste quoi là? Là, je pense qu'il reste juste les étages en dessous. Bah, finir cet étage, être bien sûr. Vous avez trouvé la cible? Négatif, pas pour le moment. Ah, parce que nous on a tiré, mais on n'a pas regardé s'il y avait la cible ou pas. Donc, faudra regarder les cadavres aussi. Ok, bon, bah, on pense à checker les. Bon, on va tous avancer. On garde tous les médics, enfin les deux médics derrière, ou on en met. Au milieu. Ah, au milieu? Oui, ouais. Si ça nous arrive derrière. Oh. Allez, tu prends le devant, je prends derrière. Allez. Bon, radio Zulu avec Ange. Ouais, nous, radio. On prend derrière, tu vas devant. Et ce qui est favori. Allez hop. Go, go, go. De nettoyer tout le bâtiment ensemble. Allez. Prenez pas trop les murs, hein, parce que bon, je sens mal les murs. Ça y est d'en bas. J'ai touché, il y a un mec en bas sur la droite, au niveau de la frontière. Touchez-vous. Ok, bouge, viens là, viens avec moi. Sur moi. Mettre là au coin. En bas, tu dis, et vers où? Le gap derrière toi, il y a un escalier, fais gaffe. En bas sur la droite, en bas sur la porte à droite. Ok, j'envoie une grenade, attention. Regarde bien, il y a attention, grenade. Ah oui. Tu nous assassiner avec tes grenades, toi. Bah, mais c'est trop pourri le truc, ça fait comme un mur là. Bon, je saigne. Gab, tu peux venir? Là, derrière là. Le Gab, derrière. De shooter par la fenêtre. C'est bon? C'est pas bon. Gabi parle en radio pour un. Ah, c'est bon. Il a limité le bâtiment. Merci. Il a traversé la porte. C'est bon, t'es ok. Direction nord-est. Merci. Bon. Merci, William. De toute façon, devant moi, il y a un toit. Je vais pas lui tirer dessus. Ah mais Tequila, tu peux l'avoir de là.
Hein? Faut la voir de là. Putain, j'entends plus quoi, je suis devenu sourd. Pourtant, j'ai mis les gilets bouchons. Faut la voir de là-haut. On peut la voir de là-haut? Ouais, ouais, tu longes là, tu vas vers le mur bleu à gauche. En regardant bien le patio en bas. Je l'ai eu, bandit au sol. Ah ben voilà. Ok. Bien sûr, je perds mon casque plus batterie au moment où je le shoot quoi. Regarde. Ouais. Moi qui viens sur toi. Ah, t'es blessé non? Tu sais. Ouais, ouais. Tu me feras un rapport sur tes équipes de soins parce qu'il m'en reste qu'un. Je comprends pas, j'ai perdu l'audition moi. Ouais, attends. T'as un petit chien de tequila. J'ai les bouchons, j'ai tout. Ouais, mais est-ce que tu les mets avant de monter dans l'hélico et tout? Oui, je les mets avant. Je les ai mis avant là. Dès que je me suis mis les trucs, j'ai dit à tout le monde, on met les bouchons. Je comprends pas, c'est à chaque fois c'est toi. Et là, la grenade, elle a pété. Je crois que c'est au moment où la grenade a pété où j'ai pris Donc j'ai 11 bandages, 4 adrénaline, 13 morphine et 6 poches de sang. Y'a des dégâts? T'as plus de kit de soins? Ben apparemment non, j'ai... Ah ouais? Déjà? Ah ouais, t'en as trop utilisé sûrement. Tu les utilisais dans le vide. Surtout faut faire dans l'ordre le gamin. Donc d'abord le sang. Ah mais c'est pour ça que je te dis, faut que je me le note. Ouais. Il t'a le patio, il a le géré. Je te ferai un petit cours. Il me tourne le dos. En fait. Ah ouais, ouais, juste lire en fait ce qu'il y a marqué. À chaque fois, c'est pour ça que tu cliques. Et on est arrivé, on ne voyait pas. Ok, tout le monde est prêt à repartir hein? Ouais. Okay. DSP le Gab. Oui. Ouais, c'est bon. Tout le monde est au fait. DSP, enfin je l'ai pas entendu. Si si, il est là-bas derrière. Ah oui d'accord, ok. T'es peut-être en voie faible DSP. Elle est clear, hein? Ouais, clear. C'est la pièce suivante.
viennent de là. Ok. Oh putain. On a un mort là-bas. Désolé. Viens, 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 passe, passe, passe. Bah attends, pas sûr, je vais crever. Viens, viens, viens dans le couloir, viens. Dans le couloir. Vas-y, vas-y, dessus. Il est où? On met le bandage, hein. Je ferai une bonne, non. Bouge pas, Daniel. Bouge pas. Il est où, Bon, les armes en blessé, je vais me mettre dessus. Attends, je vais me mettre avec toi, sur lui. Tu vois, là, c'est les gravement blessé. Alors, gravement blessé, là, c'est qui saigne déjà, bandage. La priorité, c'est ça. Il est où, tu retires? C'est qui saigne, toujours. Donc, bandage encore. Tu sais ce que ça te dit? C'est moi qui ai tiré. Il y avait un tango qui était positionné plein nord. Camille ne saigne plus. Voilà. Okay. Alors, attends, je check. Recheck. Ok, maintenant, passer. Donc, la pression sanguine, on verra plus tard. Ça, c'est le sang qu'il a perdu, c'est pas grave. Ouais. Donc, extrêmement blessé, donc c'est kit de soin. Et j'en ai plus. Alors, moi, j'en ai un, c'est le dernier que j'ai. Mais là, il est inconscient, il agonise. Oui, mais oui, non, mais c'est pas. D'abord, c'est ça, d'abord les soins. J'ai fait tirer dessus par qui? Recheck. J'ai fait tirer dessus par qui? Légèrement blessé, tu vois. Non, au lieu d'extrêmement. Donc là, il faudrait être de soins. Ouais. Là, on en a pas. Donc normalement, il faudrait s'occuper de ça, mais là, on en a pas. Donc, la pression sanguine est bonne. Donc là, je lui mets une poche de sang. Ouais. Fait rien. C'est juste pour lui remettre son sang à 100%. C'est tout. C'est quoi ce menu?
Ok, on a tout le monde? Ouais. Bon. Allez. On reprend l'ordre de marche de tout à l'heure. La fenêtre, c'est bon? C'est clair, la fenêtre. À droite. Prends la tête, tu prends le bas de l'esprit. Ah, mais c'est moi, ça. Ouais. Là où t'as mort, pas là. Ok, l'entrée est claire. On descend? Non, je vais faire cet étage. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais, va suivre. Je reviens. Pas de contact dans le couloir. Bah, je me... Très mauvaise visibilité sur le passant. Droite de l'extérieur. Et à tous là. Stop tous. Oui. Normalement le baron c'était au niveau de là où il y avait les tables et tout. Par contre moi j'ai un bug, je vois que deux morts. Donc je suis pas confirmé qu'en fait il est bien mort. Vous en voyez deux ou trois dans la salle là-haut? Il y en a trois, il y en avait un qui était allongé un peu plus loin. Ah, c'est avec un béret noir? J'ai pas vu le béret. Tu peux vérifier s'il te plaît? Après je sais pas si les cadavres ont pas disparu là maintenant. Moi j'en voyais trois des morts. Là, là. Deux. Deux là, il y en avait un ici. Ah ici là, oui, c'est celui que j'ai tué là, avec le béret noir. J'en ai tué un ici là et ouais, effectivement il avait il était pas pareil que les autres. D'ailleurs on a le. On a ça là aussi. Ouais ça c'est intéressant. C'est l'hélico qui tient. Ça vient de l'est. Ouais, ça doit être Radio. Oui. Tu peux confirmer objectif 1, objectif 2 à qui? Et à qui? À Delta. Ah là, à Delta, je sais, c'est, il faut changer de fréquence, c'est ça? Non. En longue portée. Réponse. Delta d'équipe Zulu. Ah non, au commandement. Ah. Sur le canal longue portée quoi. Ah oui. Ça j'appelle le commandement? Ouais tu dis en fait en gros tu dis de Zulu au commandement le baron est mort quoi. L'objectif est atteint. Commandement de Zulu. Le baron il est... Non, c'est le baron est mort. Delta, Charlie Delta. C'est Copper, si tu veux, mais lui il est dans les airs et donc il n'a pas de visibilité sur ça. Donc nous on confirme qu'on quoi, on a eu ça au commandement et du coup lui il le sait, il met à jour nos objectifs quoi. C'est quoi les tirs qu'on entend là? Ça aurait été stylé une photo du baron. Copper, ça paraît pas du tout. Il est en train de flouter là. Ok, faut tout nettoyer pour... Ils sont en train de tirer. Tu les vois les mecs qui tirent? Non. Ils sont planqués derrière la colline là-bas. Non. On se met deux par bâtiment et un qui couvre le... Donc... Hopper de... Deux. Putain, fait chier ce problème de son. On va mettre... un radio avec un leader pour aller vérifier chaque pièce. Les deux médics vont rester derrière au cas où. Et voilà. Ça vous va? Ok. Est-ce que j'ai
T'es déjà blessé Ouais, légèrement. Légèrement. Non, ça empêche rien. Ouais. Le garde, t'es OP? Ouais. Bah, je vais prendre le garde à la place de. De Gami, du coup. Vas-y. Je suis Ange. Tiens, garde. Ah non, mais le Gab il est médic. Ah merde. C'est Torkoum. Torkoum, t'es OP? Ouais, bah moi il est pas touché. Hein. Oh, il pète les véhicules là-bas là. Bon. Il y a où le radio là? Allez. Eh ben, nettoyé. Bon, bah, c'est là où le filière. Essaye d'avoir copain. Ouais. Avance dans le patient. Oui. Le général est mort. Sur le principal accompli. Ok. Ok, Gami. Le patient qui est. Donc, il y a des étages en dessous, ah, c'est eux qui la valident. Les médics, vous êtes opérationnels là? Ouais, moi c'est bon. C'est ok, bien fait. Et l'autre aile, elle a été faite là-bas? L'autre aile, ouais, c'est nous, c'est par là qu'on est arrivé en fait. Ah, ouais, ok. Du vous coup, avez dit d'arriver on fait quoi? De quoi? On visite les étages inférieurs. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que. Et si on pouvait se faire larguer une caisse pour les médics, ça serait bien. Ouais. Bah, du coup, tu à la limite, tu peux peut-être le demander, ça, la caisse pour les médics. Moi, je vais prendre le gars avec moi. Je vais prendre le gars avec toi. Oh, bah, je vais aller en extérieur, repartir en extérieur. Ouais. Où c'est que c'est ok là? C'est ok. Pas ouf, repartir là. Du bâtiment. Par où tu peux repartir? Par là-bas. Du coup, je pense que par ouais, par là-bas, par là. Par là, Delta vous êtes à la base. Par là où vous êtes arrivé à la base, vous pouvez y repartir, hein, je pense. On avait clear cet étage-là, mais on était passé derrière. Ah ouais, c'est les gars, on arrive. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du bâtiment et demander la caisse. Une caisse. Où est-ce qu'on est là? Si on est là, on est derrière. On a dit pas de survol de zone. Pas de survol de la zone. Le marqueur il a. 100, 200 mètres. Putain, il faut aller loin quoi. Ouais, il faut aller super loin. Derrière le mur ici. Je sais pas, peut-être en 222, 210 là. 22, 210. 223, 210. Juste, de toute façon, il largue juste. Hein. Il largue une caisse. 222, 208 alors. 221, 208. 221, 208. Non, c'est pas très loin, hein. T'es qu'à 500 mètres. Hein. 221, 210. Mais 100... l'un ou l'autre. Même pas, hein. 200 mètres. Non, 221, 208, ok. C'est radio? Tu envoies le message à Delta pour une caisse, dropper une caisse en 221. Le problème c'est que là, l'autre radio est en train de souder là, tous les canaux. J'ai
deuxième chance de tirer. La couverture, ça le tient. Le baron est mort. Le gars, il est où? Merde, j'ai perdu le gab. Non, il est dans l'angle. Parlez sur les derniers, les gars. Ah, je suis dans l'angle de chauffeur. Ok. Le radio est par terre, je crois. Ah, on a le radio par terre. Ok, je peux traverser ou pas? Je traverse. Ok, je vais suivre. Allez, fumée déployée. Ça vient du nord, rien de ça. Pas de bruit. La cible est extrêmement blessée, la cible est extrêmement mal, la cible saigne, la pression sanguine est bonne. Et là, ça te tire dessus. On a le médic qui a été touché. Attention, médic touché, médic touché. Occupe-toi du médic. Le gars, t'es toujours OP? Ouais, je suis pas blessé, mais là, il y a des jumés là. Merde, je t'ai mis un garrot quoi. Sur la route, hein. Ok, bien.
Ok, j'y vais. Il s'est tiré dessus, mais je sais pas d'où. Je suis blessé, j'ai un peu mal. Le mec il est au sud-ouest. Sud. C'est ça, sud-ouest. Attends, je te dis. Il a réussi à te toucher de là. J'ai saigné, je me suis mis un garrot. Hein. J'ai pas de garrot, merde. Non. Bon, les gars, je saigne, j'ai pas de garrot. Tu es où? Tu te l'es pas mis tout à l'heure? Ouais, je suis en face. Putain, merde. Ok, l'Angleterre. Quoi? Je répète l'Angleterre. Oh, je te mets un garrot là? Ouais, je sais. On en est où là pour le médic et le radio? Ça pue. Je peux pas faire grand chose, il a pas de pouls, il est inconscient. Je veux pas le réanimer parce que. Et il est en braque quoi. Oui, il est mort. Faut rien faire. Oui. Ok, d'esprit. Pas de pouls. Et bah, tu fais un RCP. Je vais lui faire là. La cible est trop blessée, la cible est inconsciente. Ouais, c'est pas beau si tu le gardes le garrot. Je saigne encore. Eh ouais, mais j'ai plus de. T'as plus de bandage? Mon sac de DSP si t'en as plus. Radio, est-ce que tu peux envoyer un message à Delta? Oh merde! Ah putain, c'est pas possible. Extrêmement blessé et inconscient. Putain, c'est pas possible. Ah, mais on a plus rien, il faut demander une caisse à tout prix là. Le sac par terre, j'ai et saigne plus donc est-ce que je peux enlever le garrot extrêmement blessé? Tu as fait des bandages? T'as pu lui faire des bandages? Et il saigne plus, la cible est extrêmement blessée. Et mais il saigne plus parce qu'il a le garrot. Ouais, mais... Est-ce que t'as encore des bandages? Oui. Oui. Alors tu enlèves le garrot et tu mets les bandages. Tu peux lui prendre son sac? Tu peux lui prendre la radio? Si, tu peux lui prendre la radio. En terre. Tac, 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 tac. Voilà. Et il a pas de pouls, il est inconscient, et extrêmement blessé. Pas de pouls. Mesure de réanimation. Delta 2 de... Moi c'est RCP. Je fais le RCP. On a un médic à terre, nos deux radios à terre. On aurait besoin de. D'une. Merde. D'une caisse de ravitaillement pour le médecin qui nous reste. Essaye le défibrillateur et tout ça. Si tu pouvais nous la larguer en 221-210, ce serait nickel. À tard. Ah, mais ça va faire comme DSP, il n'y a pas de. Affirmatif. Il est trop blessé pour être réanimé. Ah, putain, il faut des kits de soins avant. Bon, mais il va falloir attendre. Est-ce qu'il est stabilisé? Je stabilise ainsi pour voir. Extrêmement blessé et si je crois que tu parles en radio je lui remets le garrot non attends oui remets lui le garrot au cas où extrêmement blessé à mon avis mais par contre il saigne pas quoi c'est ça il saigne pas mais attends bah, alors s'il saigne pas là ce donne pas le garrot le truc c'est qu'on sait pas s'il a son sang qui descend ou pas quoi mais là c'est vrai qu'il n'y a pas marqué que la cible saigne donc c'est bon à mon avis il faut pas le mettre parce que sinon ça va. DSP c'était pareil tout à l'heure. Hein. DSP là on l'a perdu. T'as rien? On l'a eu le vent ou pas? L'ennemi? Si, ah non, checker DSP on peut. Oui, oui,
Pas de poule, c'est les instruments, on essaie, on a un jeu de réanimation. Même chose. Inconscient, pas de poux, extrêmement blessé. Normalement, c'est stabilisé. Alors, ça en est où pour la radio? Il va nous larguer une caisse, Delta 2 va nous larguer une caisse en 221-210. 221-210? 210. 221-210? Ouais, affirmatif. Ok, bon, on attend alors. Putain, ça lag. You switched to Chase Bear Mod 3 on the. You are now known as Tequila Fox